fait, elle maîtrise très peu sa force naturelle, très explosive. Et donc la raquette est partie dans le nez, tout simplement. Voilà. Il y a un moment, j'en ai fait un pont. Ah non, ça fait mal. Oui, ça doit faire mal. Ça fait mal. Moi, j'ai entendu du fond du corps. Ouais. Alors, je sais pas si c'est l'ouverture. Donc, c'est pas parce qu'Isabelle a mal qu'elle est censée ne pas ramasser les balles, hein, mais elle trouve ça comme excuse. C'est... Elle monte ses. Y'a rien. C'est de la comédie tout ça, c'est pour ne pas ramasser les balles. Donc Isabelle n'a pas que mal au nez, elle a aussi mal à la cuisse. C'est une vraie guerrière, elle vient quand même à l'entraînement. Au physique, trop puissante aussi, les muscles n'ont pas tenu. Petite contracture à cuisse. Et ce n'est rien. C'est que c'est là en fait. Alors, les dames d'abord, Sylvie Kuprianov, classée 32. Josie Nicolet, qui est au téléphone, tu peux filmer, c'est pas interdit. 15-5. Ouais. Ensuite, Isabelle Lorac, 10 mais cassé. 33. Florence Fiorez, 33. Après, c'est qui? C'est Julie Taille. 33, Johanna Rossignoli 15-4 et Tamara la plus jeune Carasso 31. C'est pas toute l'équipe des dames, il en manque deux que nous verrons prochainement sur le blog du Pompier Tennis. C'est bien dit. Moi au point à Josie, c'est vous allez perdre, ça c'est sûr. Tu le saches ça. C'est bon, c'est sur la ligne, Josie. Et puis vous anticipez la perception. D'accord.
transformer en Wonder Woman.